bienvenue sur la chaîne Les Paintings de Molly. Donc aujourd'hui, un petit haul Stokomanie. Donc on y est allé par hasard. Vous verrez, vous aurez une prochaine vidéo où je vous ferai découvrir le rayon, le petit rayon loisirs créatifs de Stokomanie, mais avec beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. En attendant, on vous montre donc nos petits achats hyper gourmands pour commencer. Donc une grosse boîte de bonbons, comme ça. C'est des petits serpents qui piquent. Il y a 1,95 kg et on l'a payé 6 euros quelque chose. J'ai acheté la même en bouteille de coca pour mon autre fils, le petit, et ça c'est pour le plus grand. Voilà. On a acheté dans le rayon loisirs créatifs des petits lots de perles comme ça. Ils sont à 89 centimes d'euros. J'en ai acheté 5. Vous voyez, ils sont différents. Voilà. Un comme ça. Et des petites transparentes comme ça. Et là, avec des couleurs différentes. Donc, 89 centimes d'euros chacune. Et j'ai acheté pour moi et ma belle-fille ces petits nécessaires de couture dans des mini-boîtes, donc qui coûtent 2 euros. Alors, il y en avait d'autres à 5 euros avec tout plein de bobines, de toutes les couleurs. Mais bon, je vois pas trop l'utilité, il y en a qu'on ne sert jamais. Elles étaient à 5 euros, là vous verrez. Il y a vraiment juste le nécessaire et la petite boîte est très sympa. En plus, elle est très girly, vous voyez, elle s'ouvre comme ça. Donc sur le dessus, on va faire l'inventaire. Ça ressemble à une petite boîte à couture. Hein. Donc là, vous avez pour couper les fils. Ça, c'est super quand on a du... Quand on fait du point de croix. Voilà, ça c'est bien. Un petit mètre. Ça c'est pour protéger les doigts. Vous avez un petit lot d'épingles à nourrice. Deux petits pressions. Un petit truc comme ça. Voilà, après donc vous soulevez le plateau et là donc vous avez un petit set de bobines, vous avez 12 bobines, voilà, les couleurs sont sympas, hein, j'aime bien le petit violet là, car je suis pas fan du jaune, mais le jaune, moi, c'est un tout petit ciseau, alors, et puis il a l'air de super bien couper. Ça pour le avoir un tout petit ciseau comme ça, quand on fait du point de croix et qu'on va emmener son point de croix avec soi, ça prend pas de place. Et puis un petit set d'aiguilles, voilà, comme ça, dans une petite boîte, avec un plastique dur, donc elles sont protégées. Vous pouvez toujours mettre aussi vos petites aiguilles de point de croix dedans si vous voulez partir quelque part. Et puis, à la limite, cette petite boîte à couture peut vous servir pour emmener un petit nécessaire de point de croix, hein, c'est-à-dire un petit ciseau, des petites aiguilles. Ça prend pas de place, voilà. Donc pour 2,39 € je crois, il y a vraiment l'essentiel et moi je trouve ça très bien. Pour 2 €, c'est vraiment pas cher. La boîte est super jolie, elle se clipse ici avec la petite poignée, c'est vraiment top.
Voilà, donc je suis très contente de mon achat. Dans mon élan de générosité, j'ai offert la même à ma belle-fille, 2,39 €. Voilà, pour les grandes, grandes couturières que nous sommes, c'est un cadeau merveilleux. Voilà. Donc, eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bisous.